Non. Oh, yes. Vas-y avec moi, je t'enculé. Oh, la voiture là-bas. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est PlayVK. J'espère que vous allez bien les gars, je pense que vous avez remarqué, on n'est pas en France, on est au Japon. On a loué des motos, Joey a pris un CBR, un 2,5. Vas-y, je t'aime. Et moi j'ai pris un ZX250. Trop stylé, j'adore leur ambiance. C'est beau ça. Ouais, il est dans sa musique. Oh, on fait des vidéos, ouais. Ah, il a la musique. Ouais. Ah là là. Je râle, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que. Alors, ils conduisent très bien. Mais les taxis, des fois. Ah, t'as envie d'éclater des rétros. Là, ils commencent à avoir du monde. Ah non, j'ai cru que c'était un GLE encore. Non, non, c'est un Jeep. On va forcément passer aussi par l'allée hyper connue de Shibuya. Là où t'as les passages piétons, où t'as toutes les personnes qui attendent et qui traversent en même temps, qui est incroyable. Comment j'ai tout ici, tout. Il y a n'importe quelle heure en plus, c'est ça le pire. La dernière fois j'avais faim, il était 3h du matin, je suis parti et je suis parti manger. Normal. Je tourne une vidéo. Ah ok. Tout à l'heure, hein. Elle est pas allumée maintenant? Bah si, mais je sais pas. Bah, je parle avec les abonnés, quoi, t'as plus l'habitude. Ah, raconte sa vie là, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce qu'il a bouffé. Donc là, je suis avec un en fait qui s'appelle Joey, simplement, le groupe. Comment c'est stylé ici? Oh, j'adore. Et de oh, Louis Vuitton et tout, ouais, c'est la grande rue où il y a tous les magasins en fait ici. Oh, le Adidas là-bas, il est violent. Ah, là, je reconnais. Là, du coup, on arrive dans la rue justement qui est hyper connue où t'as les passages piétons. Là, ce qu'il faudrait, c'est être tout devant au passage piéton quand tout le monde passe. Justement, j'ai mis l'adresse. Ah, c'est ici, non? Non. Ah non, c'est pas ici. Sorry, it's not ici, it's là-bas. Ah ouais, alors lui il parle pas anglais, c'est incroyable. S'il était tout seul, il mourrait de faim, Joey. T'as même pas serré ton casque. Lui, s'il tombe, il meurt. J'ai envie de te dire, tu tombes avec ça, ça sert à rien. Quoi. Et puis, Ouais, c'est vrai que la sécurité au Japon, c'est juste. Y'a un appât en fait. Tu verras, t'en as certains, c'est même pas des casques, hein, ils ont un bol sur la tête, tu verras. Oh, c'est tellement stylé. Regarde tout autour de moi, c'est comment c'est stylé, c'est incroyable. C'est incredible. Ouais, je me suis mis à parler un petit peu anglais. Pas trop le choix parce que le japonais, je vais pas te mentir que j'ai pas trop de notions. Oui, oh, commence pas à faire le parisien avec moi, je vais t'enculer, puis de p***. Ici pour faire des photos, je suis dégoûté de ne pas avoir le R1. Faire des magnifiques photos ici. Tu prends un putain d'appareil photo et ça va tout seul. Regarde-moi cette petite Mustang. Avec des néons. Oh, la rue elle était incroyable. Ah oui. Let's go. Nice, nice bike. Mine in my country, France. My bike. Oh, so in France. Ninja. Yeah, it's a this and this is a the Ninja. Yeah, Ninja. ある2号じゃないけど、テック2号だ。Excuse me. 前乗ってた。Je comprends pas. I don't understand. Je parle japonais, je parle anglais. Salut les gars, deuxième journée, j'ai plus de voix, veuillez m'excuser. J'ai laissé les clés sur la moto, la GoPro 360, il n'y a pas de voleur. Je vais essayer un V. Tu veux quoi toi? Bon, ici les V ça existe pas. Ah, on dit bonjour entre nos parents. Au Japon. Les gens, ils nous regardent à mort parce qu'on a fait des installations sur nos casques de GoPro. L'installation de baiser qu'il a fait celui-là. Moi. Ah, ça me pète les couilles de parler là. Pas cri. Voilà, les Français au Japon. Hein. Eh, ça me. Eh, ah, si je fais les graves. Si je fais les graves, c'est bon. Ouais, c'est bon. Très beau. Ah, c'était FJR comme en France. À droite,
C'est la voiture de police. Attends. Merde. Oh. Attends. On fait quoi? On finit. Vas-y. Le gars il a cru qu'on allait faire un braco. Heureusement je lui ai dit qu'on était touristes. Eh, j'ai paniqué là, qu'est-ce qu'on fait? Je pensais que t'allais y aller toi. J'ai dit non. En France je l'aurais fait. Thank you very much. Arigato. Thank you. Thank you, sorry. Tu vois, c'est des situations qu'on rencontre pas tout le temps. Ouais. Où y'a le verre? Donc là. Non mais c'est ça, c'est... Ah ouais, t'as raison. Oh la misère toi, faut comprendre. Hello, speak English. Hello. Hello. This type is 1590, please. Ok, 1590. It's okay. Ok. Tiens. C'est 3000, donc je t'ai donné, ouais, ouais, faut que je te donne 500 quoi. Non, c'est 1590. Non. Si. Oui, d'accord. Baisse la visière, baisse. Ah, allez baisser. Hein. Non, baisse. Quoi ça? Non, je peux pas avec le micro. Là, j'entends mal. Mais c'est pas la... C'est pas... C'est super beau. Bon, les gars, let's go to Asakusa. C'est vrai que c'est vrai, le paysage est vraiment sympatoche ici. Ça y est, on a fait nos petites photos. N'hésitez toujours pas à nous rejoindre sur Instagram, PlayVulca, PlayVulca. On aura posté des photos du Japon, des petites stories marrantes que tu aurais peut-être loupées. Ah, j'en ai marre. It's so beautiful. Pour conduire un moto au Japon, c'est très simple. Il faut détenir un permis européen et aller à la fondation, je sais pas quoi, automobile, pour faire traduire son permis, tout simplement. Il faut aussi un an minimum hein, de permis pour pouvoir faire ça. Kimono à droite. À droite. Ah mais le kimono. T'as mis le kimono. Ah ouais. Avec un Honda et un Yamaha FJR. Eh hey, on fait demi-tour. Pour faire quoi? Photo, photo avec eux. Pas de photo avec eux. Ouais, il faudrait. Hello. Excuse me. We are French biker. It's possible to take a picture with you? Non. Ok. Hello. On peut aller ici, moi. Wesh. Il y a une crotte de nez là-bas, c'est quoi ça? Hello. Do you know where we can park or buy? We do can park. En France. France. Oh, France. Yes. Paris. Paris. Yes. Can I take photos here? Yes. My daughter. Yes, yes, yes. Okay, yes. Take picture with you. Ah, oh, thank you. A younger girl is better for you. Okay. Oh. Bye bye. Bye bye. Très bien. Oui, japonais. Arigato. Yes, oui, ok. À l'université. Mais non, arrête. Oh, c'est quoi cette moto, putain? Oh, elle a des enceintes, frère. C'est quoi ça? Ah, elle est incroyable. Mais vraiment Japon, quoi. Ah ouais, moi j'adore. Waouh. Ça, c'est beau, c'est coloré. Ah, j'avais jamais vu jusqu'à maintenant ça. L'espèce de petit fourgon police. C'est pour nous, ça? Ouais, yes. C'est un wheeling. Attends, mais ils ont les gyros, mais ils sont pas prioritaires. Ouais, de ouf. Nous sommes arrivés à Shinjuku. Hello to Shinjuku. Hello to Shinjuku. Les gars, Shinjuku, qu'est-ce que c'est Shinjuku? Quartier des putes. Donc ce soir, vous allez voir plein de petites culs, plein de petites meufs. Ça va être vraiment incroyable. Alors, on fait ça pour vous, hein. Nous on fout, en vrai on s'en fout. Hein.
Non, non, c'est pour vous, hein. Moi je m'en fous, hein. Je suis avec quelqu'un, moi, hein. Je... Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui, c'est pour vous, les abonnés, hein. C'est pour les abonnés qu'on fait ça, hein. Bon, allez, ok, on va vous filmer quand on fait branler, mais c'est vraiment pour vous, hein. Mais évidemment, c'est une blague, hein. C'est le quartier le plus dangereux du Japon, je crois. Ouais, apparemment, ouais, c'est le quartier le plus dangereux. Ouais. Après, quand on dit dangereux, c'est, voilà, si tu fais la merde, hein. Si tu te promènes tranquille, il n'y a aucun danger. Hein. Ouais, ouais, c'est quand même assez joli avec tout, tous les luminaires, tout ça. Les gars, j'espère que vous kiffez. Moi, je kiffe. Moi, je trouve ça trop beau. C'est juste incroyable. Ah, là, c'est beau, là. Ah ouais. Là, c'est magnifique. Waouh. Il dit combien de temps pour Shibuya? Alors, il dit à peu près 14 000. Okay. Et viens, on échange un peu, tiens. J'ai l'impression qu'elle a plus de patates quand même, hein. Oh, elle a une photo. Attends, devant les escaliers là. Ah ouais, ça, ouais, bien vu. Hello. 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 Ok. 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 Sorry for that. Ok, sorry. Ah, ils sont réactifs, hein. Profitez de la vue encore une fois. Là, on est sur Shibuya. Regardez-moi comment c'est beau là, Shibuya. Oh, une Mercedes. On va leur demander pour les rassos, justement parce qu'il y a des rassos incroyables ici. Oui, search. A meeting. Meeting car. Yes. Meeting car. Daikoku. Yes. No. No, ship. Tomorrow, another day. France. French. Yes. I'm a biker. Oh, yes. My friend. Kawasaki. It's my bike. Bon les gars, je vous fais un petit tour des voitures parce qu'elles sont incroyables. On a une petite AMG, des ailettes en carbone, petit aileron, c'est incroyable. La petite Supra, elle est juste, elle est mortelle, vraiment incroyable. Salut. Ouais, et là, il t'a donné l'adresse de quoi du coup? Du parking pour le rassemblement. Bah Daikoku alors. Tout à fait. Et c'est demain. Bon, en fait. C'est la nuit, donc je pense qu'à partir de 21h c'est bien. Je pense qu'il y a moyen que ça soit une dinguerie. Dinguerie. En fait, tu sais qu'on aurait des R1 et tout, on se ferait chier à mort. C'est le meilleur compromis. C'est même pas ton casque, fils de pute. Oh, voilà, je l'ai fait dans le Japon. Eh, celle-là, elle est incroyable. Mais pareil, ça fait très américain, ça fait pas du tout japonais. Et bon les gars, direction Daikoku avec les magnifiques motos. Je suis en Harley Davidson, elle est incroyable. C'est une 1250. T'as des pneus, ça c'est un pneu arrière de S1000 arrière. Là-dessus, là t'es sur du 160 devant. Ouais, tu vois, c'est un pneu arrière de nos anciennes motos, des Z650, des MT07. Non, pas MT07. Et derrière, t'es sur du 180. Non, c'est pas du 180 ça. On y va, on se retrouve là-bas, on va bien kiffer. Normalement, Daikoku, c'est quand même assez réputé mondialement. Tous les fans automobiles, vous connaissez forcément Daikoku. Vous avez vu des TikTok, c'est incroyable là-bas. C'est des voitures, mais que t'as jamais vu en France normalement. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. On fait ça pour vous. Et là, ça c'est un gros billet, ça. On fait ça pour vous. Et normalement, là-bas, vous allez kiffer, hein. Comme nous, on va kiffer. On se retrouve là-bas, on va rouler une petite heure pour aller à Daikoku. Regarde-moi ce démarrage. Tu fais ça, t'attends là, regarde. Oh, la cinématique. Non, mais je suis en Harley Davidson, quoi. Regarde les pieds où je dois les mettre. Normalement, avec la sportive, je les ai là. Là, je suis là. En fait, la Harley, elle est incroyable. C'est une 1250. Elle est un coup, franchement, j'étais pas prêt. Alors, pourquoi je suis parti là-dessus? En fait, il n'y avait pas beaucoup de choix. Forcément, j'aurais voulu prendre un H2, mais il n'y avait pas tout ça. Je voulais prendre un S1000RR ou une Panigale, mais il n'y avait pas tout ça. Elle est incroyable, tu vois. Je veux essayer dans la vie une Harley Davidson. J'ai toujours voulu essayer une Harley Davidson dans ma vie. Et celle-là, je la trouve insolente. Elle a un regard, elle a une prestance, cette moto-là. C'est incroyable. Quand t'es dessus, là, j'ai l'impression d'être un vrai biker. Allez, c'est parti. On va à Daikoku. Je vais aller en Harley en 1250. Incroyable. J'ai essayé là, un coup de fou. Moi, je suis en R7. R7 full black et full power. C'est trop classe. Hein. Dans la nuit et tout, là, on se prend pour des night bikers. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, on est où là? Merde, faut... Bah vas-y, on passe là, hein. Vas-y. Attends, je vais regarder un truc avant. Pour moi là, faut aller là-bas pour moi. Ouais. Faut aller en face là-bas. Vas-y, traverse. Vas-y, hein. T'es sûr? Vas-y, on y va, c'est bon. Et lui, il est avec son petit R7.
Alors c'est bien? Ouais. Moi j'adore en vrai. J'espère que vous aimez les deux motos, parce que là on a vraiment sorti du lourd. Bon, excuse-moi, c'est pas un H2, il y en avait pas, ok? C'est pas un V4S, il y en avait pas non plus. Bon allez, c'est déjà bien, non? Arrête de gueuler là. Ouais. Wesh. Yes. Ticket. La colère de Dieu va s'abattre. On peut pas aller là-bas? Ok. 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 Demain? Tomorrow? Tu veux pas donner ton téléphone pour la traduction? Non, on va y aller au profond. J'ai rien compris. Je sais pas si on peut passer où. On y va? Allez, gâteau! Je crois qu'il a dit qu'il fallait appeler demain. J'ai rien compris. On verra bien. Regardez comment c'est joli. C'est de l'industriel, mais c'est joli. Ah là-bas, là, regardez ouais, les trucs là. Ah ouais. On dirait quand tu rentres dans Marseille, quand tu descends là. J'espère en tout cas que vous appréciez vraiment les putains de vues. Et... Oh, ça, c'est le train qui va hyper vite, ça. C'est le JR, je crois. C'est Shinkansen, c'est ça? Shinkansen. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai trop. Eh, il est chaud, le pot. C'est chaud à gauche, non? Ah, dans le tunnel. C'est... Non, non, le moteur, quand tu mets tes pieds là. En vrai, ça va. Mais dans le tunnel, laisse tomber comment il faisait chaud. Tu m'as pas compris. Si, la moto. Oui. Ton pied gauche, il a pas trop chaud? T'as pas... Non, en fait, c'est des douleurs aux muscles. Ça fait trop mal la position en vrai. Wesh. Le truc, attends. Minute. Mon avis, ça va être un peu long donc. Oh là là, regarde-moi la bête, elle est insolente. Non. You. We don't have ticket. We can go? Je sais pas. Donne ton téléphone. Oui, oui. Je comprends rien, frère. Mais pourquoi on leur parle anglais? Je sais pas. Arigato. Et voilà, papy, pour la deuxième fois. Ouais, on a fait ceux qui parlaient même pas. Thank you. Goodbye. Ouais, je pense clairement il s'est dit je vais pas me prendre la tête avec eux. Eh hey, japonais, tu en parles anglais, il parle japonais, ça me saoule. Alors si lui il y va pas, là on est pas très loin, on est à 2 minutes. Ok, donc là dans 300 mètres on doit aller à droite. Ça commence, ok, on est bien arrivé les gars à Daikoku. C'est incroyable d'être ici en espérant voir de belles pépites. Ici des fois t'as des caisses que tu verras plus jamais dans ta vie. Bon les gars, attachez votre ceinture, ça va être comme ça toute la soirée. Vous pouvez pas simplement vous laisser avec une vidéo du Japon en mode on découvre un peu Shinjuku, Shibuya, tout ça. Fallait forcément qu'on passe par Daikoku. Oh la bleue, c'est vrai qu'elle est... Les gars, désolé, hein, vraiment, s'il connaît pas de ouf en voiture, je peux même pas vous dire c'est quelle marque là, si je vais pas la voir. C'est une... Ah putain, c'est une Subaru. Un truc qu'on voit pas souvent ça. Un truc qu'on voit pas souvent. Ça fait plaisir de voir cette marque là. C'est cool. Voilà, eh. Oh là là, cette vue elle est incroyable. Cette vue elle est clairement incroyable. Une fois que Vulcan aura enlevé sa grosse gueule de merde. Non, non, tu me déranges pas, t'inquiète. un commentaire sur C'est fou, c'est incroyable. Jamais tu verras ça en France, jamais, même à Paris, tout ce que tu veux. C'est incroyable. C'est vraiment typiquement japonais, Need for Speed, tu sais, tous les films. Mais Fast and Furious. Bon, GTR, c'est normal, hein, c'est Citroën ici, hein, vraiment. Non, mais c'est normal, regarde, non, mais les diffuseurs, les machins, les lames, je sais même pas comment on appelle ça.
C'est juste incroyable. Zoom l'aileron là. Carbone. Carbone, il est trop beau quoi. 4, 5, on a 5 GPR. Non, il y en a plus. 3, regarde, 3, 4, 5, 6. Il y en a, déjà j'en vois 7. 7 GTR. Il y a 7. 8. La rouge, c'est une GTR aussi. C'est vrai que ça manque un petit peu de supercar. Ça manque un peu de Lamborghini. Ça manque de tout ça. Pourtant, il y en a ici. Hein, et c'est des fous. Hein. Eux, ils achètent un Lamborghini. Ils mettent des LED. Ils mettent tout dessus. Donc, déjà, ça me paraît bizarre que celle-là soit full d'origine. Ah non, il a mis un capot en carbone quand même. Ça fait un petit truc stylé. Les rétros en carbone aussi, ça c'est basique. Ça c'est vraiment cool. Il lève les portes. Cassez-vous. Ouais, je crois que ça veut dire cassez-vous en vrai. Eh, hey, t'as vu, il y avait une E86 tonneau là-bas. Hein. Toyota E86 tonneau. Si je dis pas de bêtises, c'est un M5. Hein, c'est un M5 ça, non? Ah ouais, c'est un M3, c'est un truc de malade. Oh là là. Je crois réellement que les flics vont pas tarder à arriver. Oh, la voiture là-bas. Oh, il y a une voiture de ouf. Attends, vas-y, je vais courir parce qu'il y a vraiment une voiture de ouf. Oh les gars, elle est incroyable. Oh, je suis désolé, je l'ai loupé. Elle est incroyable. Je suis dégoûté, putain. Oui, justement. Pour ça, attends, je vais... J'essaie de me rapprocher, voir. Donc là, ils ont passé un message, les gars, s'il y a des personnes qui parlent japonais dans le secteur, dans les commentaires, là, n'hésitez pas à nous dire ce qu'ils ont dit. En fait, ça m'intrigue, savoir ce qu'il a dit. Je crois qu'on va détaler aussi, parce que je sais pas ce que ça dit. En fait, je pense qu'ils sont hyper cool. Ouah, le camion là-bas. En fait, hein? Oui, oui, tout va bien. Bah, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas trop. Oh, les échappements. La petite McLaren. On a les deux. Yes, it's very good. Good car. Skyline. Non, non, Supra. Putain, qu'est-ce que je raconte? Elle est belle. Oh oui. Oh ouais, 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 ouais. Ça, on aime ça. Very nice car. Oh oui. Bon, je pense qu'on a fait les plus belles. Ça te dit qu'on se... Je sais pas trop ce que ça va donner sinon. C'était incroyable, c'était trop court, je suis trop dégoûté. La police est venue beaucoup trop rapidement. Il y a la police à côté des motos. Je vais vous faire le petit tour de la voiture de police. Ils ont des belles voitures hein, quand même. Police. Waouh. J'ai peur d'aller entre les deux. Excuse me. Other meeting? One stop. Ok, thank you. Thank you very much. Good car. Ah bah non, s'il commence à... Oh. Les gars, franchement, j'espère que vous avez apprécié ce petit meeting. Ça veut tout dire. Ça veut dire dégager ça. Oh, j'ai eu peur. Les gars, il y a 3 GTR-35 devant nous. On est derrière 3 putains de GTR. Tu n'es à mort au Japon, à Daikoku. C'est insane. Incroyable. Incroyable.
Regarde-moi la gueule du machin. Oh, c'est un monstre. Oh, je suis pas du tout Harley Davidson, mais alors franchement, elle a une prestance. Ah, ça a rien dans le cul, ça. Ah ouais, c'est nul, ça. Je suis trop habitué à ça, il est avec mon R1. En fait, là, j'ai l'impression d'être sur mon R1, et je sais comment il est, mon R1. Bah là, forcément, je trouve mou, je trouve ça nul, quoi. J'achèterai pas cette moto-là en première moto, mais en deuxième moto, je l'achète direct. Ah ouais. C'est incroyable. Il y a plein de boutons, je sais pas ce que c'est. Là t'as une voix, je sais pas ce que c'est, là apparemment t'as du volume. C'est à dire genre tu peux mettre la musique, genre. Je veux trop savoir en fait si on peut mettre la musique, mais c'est une moto de malade. Attends, je vais juste essayer d'appuyer ici en espérant que ça appelle pas les secours. J'ai mis le mode sport. Ah, c'était pas mode sport là? Non. Ah. Ouais, d'accord, ok, ouais. Ah la vache. Oh, le mode sport, il est violent. J'ose même pas le faire parce que du coup, c'est pas ma moto. Et que bah, ils respectent un peu tous le code de la route. Et que bah, j'ai pas envie de passer pour un guignol. Si on est en vacances, faut pas faire trop de la merde non plus. On va prendre le petit monstre. On est tout seul, y a pas vu le cas avec nous aujourd'hui. Enfin, ce soir. On a eu une petite mésaventure, je t'explique ça sur la route. Là je vais prendre la moto direction Shibuya. Sur la moto on va réveiller tout le quartier avec ce bruit. Oh putain, je crois que j'ai niqué la plaque. Oh non. Wesh, wesh. J'ai clairement perdu une épaule. Je viens de prendre une amende par les policiers déjà là. Je vous explique tout, de toute façon on a des petites vidéos. Ah, vous allez rigoler, ça va être... Qu'est-ce que Playvulca sans amende, je ne sais pas. Bon, je suis désolé, vous aurez pas les magnifiques vues en 360 de tout ça. Vous les avez eues avec les anciennes motos, sauf que là c'était Harley Davidson quoi. Là il se fallait, mais bon, j'ai pas eu cette amende. Alors oui, pourquoi j'ai eu une amende? Alors c'est tout con. En fait ici, pour te déplacer, les motos c'est de la merde, les voitures c'est de la merde, t'as jamais de parking et tout. C'est pour ça qu'il y a un tram qui est énorme et qu'ils prennent tous l'espèce de tram-train et voilà. Sauf que lui n'est plus dispo à partir de minuit, il reprend qu'à 4h30. Donc si les gens veulent rentrer, bah ils sont baisés. Donc il existe des services de vélo, de trottinette, de location de trottinette, comme à Paris en fait. Et du coup nous on a ça. Et pour rentrer c'est nickel, sauf que bah du coup à ces heures là, bah vu que tout le monde prend les trottinettes, bah il y en a plus. Donc on a fait quoi? Moi j'en ai trouvé une. Rudy, il a pas la sienne, on cherche, on voit un spot, deux spots, trois spots, quatre spots, cinq spots, eh, toujours rien. C'est que du coup Rudy il me dit, ah vas-y je monte avec toi, c'est pas grave. Allez, il monte avec moi, on roule et en fait on fait le trajet pour rentrer à la maison, mais tout en cherchant des stations. Du coup pour l'amende, pour la trottinette, du coup parce qu'on était à deux, je vais payer 5000 yens. Joué, cette fois en direct, tu l'as bien dans le cul. Ouais. C'est la merde. En plus t'as pas mis de kimono. J'ai pas mis de kimono. T'as mis le kimono. Soit 30 euros, bon bah ça va. Après voilà, c'est une connerie assumée. Hein. Bon après c'est pas une grosse connerie, hein, on est d'accord. Mais on assume, c'est 30 balles, bon voilà, il y a pire dans la vie. Et tu vois, j'ai remarqué un truc, les Japonais, la journée, ils sont hyper timides, réservés, ils ne parlent pas, ils se montrent pas. Mais la nuit, c'est un autre monde, vraiment. Déjà, c'est dégueulasse, t'as des poubelles partout, là, il y a des agents qui vont nettoyer à partir de 4-5 heures du matin. Et demain matin, tu viens, tout est propre. Et là, t'étonnes pas si tu vois des gens à moitié morts sur les trottoirs, c'est normal, c'est Tokyo la nuit, ils sont tous défoncés. Là, tous les gens que tu vois, les trois quarts, ils sont mais défoncés. D'ailleurs, on va aller dans une petite rue où tu vas pouvoir voir tout ça. Et tu vas voir à quel point ils sont mais morts. Bon, là, t'es dans les rues de Shibuya. Y a encore pas mal de monde, hein. Et là, il est 4h du matin, dis-toi, il y a encore tout ça comme monde. Avec des machins d'ouvert, des bars d'ouvert. Des gens, regarde. Regarde à gauche. Et ça, ici, c'est vraiment la rue pour ça. C'est la rue où, justement, ils sont tous déchirés parce qu'il y a des boîtes, il y a des gens partout par terre. Là, les gars, je vous annonce, ça va être très compliqué de passer. Hein. Ils sont tous défoncés et à tout moment, ils me...
Là c'est vraiment les rues de la fête avec tout ce qui est boîte de nuit, discothèque. C'est la même chose, les bars. Ça c'est, je crois c'est la boîte la plus réputée, c'est Atom. C'est la boîte la plus réputée, il me semble, de Tokyo. Putain, on peut pas se décaler cette... tous morts. Ils sont tous dead. Ils sont morts. C'est chaud. Là, je te jure que les trois quarts, mais sont défoncés. Et les Japonais, à savoir, ne tiennent pas l'alcool. Oh, il y a des magnifiques véhicules devant moi. Je les ai vus tout à l'heure. Ils sont insane. Regarde-moi ce... Ouah, le jaune. Oh, sa mère. Oh là là, les jantes, elles brillent, c'est trop beau. Oh, l'intérieur violet. Oh, je kifferais avoir ça. Mais je kifferais. C'est pas tous les jours qu'on fait des projets comme ça. Là, on a prévenu personne. On a fait ça clairement sur un coup de tête. On a réservé nos billets 2 semaines avant de partir. Donner un petit peu de force, aller partager. Faut que ces vidéos-là, elles tournent. On s'est donné. Hein. Vous imaginez même pas le prix qu'on a payé au total pour avoir ces deux vidéos-là. Salut mon gars. Attends, je peux passer là? Je vais par là-bas. Yes, ok, thank you. Je suis pas sûr qu'il ait hyper bien compris. Je suis pas vraiment sûr. Je vais aller n'importe où. Je sais que je vais me tromper de route. J'imagine que c'est là, je sais pas. Je panique. Ah putain, il y avait un feu rouge. Eh, j'ai failli le griller devant la police. Écoutez les gars, je vous mets un petit peu ici pour profiter de la vue. Bon, je vais te manger, commence pas à vouloir me tester. Je vais te mettre une première, frère, t'es pas prêt. 1250, là, j'ai en dessous. Ah, c'est bon, j'ai eu une amende, c'est bon, j'en veux pas une deuxième. Eh, les gars, on est bien là, en fait, à Shinjuku. Ah, voilà, là, il y a de la lumière. Ah, c'est beau, putain. Profitez de ces images-là. Profitez, c'est incroyable. On va aller à gauche. Je sais pas trop ce qu'il y a à gauche. Hop, je te remets derrière. Ouais, c'est beau là-bas. Eh, je vois plein de coins que je connais pas du tout. J'ai 5% de batterie. Ok, on reste un petit peu ici. Du coup, si tu veux sortir au Japon, à Tokyo, dans une ville qui bouge jusqu'à 5-6 heures du matin, tu viens à Shinjuku. Ça a l'air d'être un peu plus vivant que Shibuya. Après, Shinjuku, c'est un peu la ville, tu vois, où on s'amuse bien, tu vois. Wesh. Ah, lui, il est dead. C'est exactement ce que je te disais juste avant. Et ils dorment ici et puis ils vont se réveiller demain. T'as vu le nombre de personnes que t'as déjà vu allongées par terre? C'est incroyable. Faut juste que je fasse attention parce que ici filmer c'est un peu mal vu. Vu que c'est un peu le quartier du sexe, hein, on va dire ça comme ça, on va dire les termes, hein, on est cash. Donc je sais pas trop si prendre une GoPro ça va pas être dangereux pour moi. Au moins vous aurez de belles images, je me ferai casser la gueule, ça pourrait être marrant. On va retourner un petit peu dans les villes lumineuses. J'ai le droit d'aller là de toute façon. Je suis pas sûr. Attends, je vais aller là. J'ai pas envie de prendre une rue sans s'interdit et puis que je me fasse niquer la gueule. Ok, bon, 2% de batterie. Non, faut que je refasse un petit tour. Rien que pour vous, je fais un petit tour. Il vous faut encore un petit peu de lumière, je le sais. Découvrez avec moi les rues de Shinjuku. Elle a flippé sa race. Vas-y. Vas-y, non? Ok, bon. Bah, dégage quoi. Chelou les gens ici des fois. Hein. Bon allez, on va se prendre un petit rafraîchissant. Comme à mon habitude ici, à Tokyo, au Japon, on va se prendre un petit Fanta. Fanta grappe par contre, du coup, bah je vais vous couper ça parce que bon. On va rentrer là-dedans comme ça. Hein. Je vais avoir l'air d'être un débile. Plus qu'autre chose. Je vous laisse, je vous reprends demain avec Vulca. Il sera réveillé, il sera d'attaque.
J'aime bien là. Regarde, il a mis deux pots différents. Ouais, les deux pots différents, c'est, bon, c'est horrible. Le truc bleu là, oh là là. En vrai j'aime tout ce qui brille, mais là. Ah oui, il est passé au rouge en fait. C'est rare de voir des Japonais qui viennent vers toi. C'est vraiment rare. Les petits kartings, droite. Tu vois, il y a pareil que ta couleur moto. La même. Ça nous a pris en photo. Parce qu'on est trop beau, je crois, c'est pour ça. I don't know. Ah là, qui fait la bécane? Bah ouais. Ah, c'est une bécane de gros BG, ça en même temps. Eh bien, on s'arrête là. On s'en fout. On se met devant tout le monde. Y a la police juste à côté, t'es sérieux? En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de tout le soutien que vous donnez et n'hésitez pas à en donner encore plus parce que les projets comme ça, ça vaut un petit billet et j'espère que ça vous a fait plaisir.